C'est un moment capital, c'est-à-dire que c'est aujourd'hui qu'on enlève les traces du passé, les 20 ans de vie du préhistocide de Ramioul. On voit se dégager les perspectives du nouveau projet. De manière très scrupuleuse, l'entreprise démonte le métal, le cuivre, le béton. Nous avons le projet de remettre la topographie entre la Meuse et la grotte. C'est un chantier qui dégage la vue et qui va redonner au musée une nouvelle configuration totale. Cet espace, il a une histoire, une géographie, un relief, des problèmes d'eau, etc., d'ensoleillement. Et c'est l'ensemble de ces facteurs qu'on prend en compte pour pouvoir reconstruire le musée. La première grosse étape qui était la démolition, qui était une durée de plus ou moins 2 semaines, va se terminer cette semaine-ci. La deuxième étape, les terrassements. Donc une fois que les terrassements sont faits, on va commencer à couler tout ce qui est fondation. Par la suite, donc ça va s'enchaîner, le gros œuvre va s'enchaîner. Donc on fait le radier, on met en place des prémurs, car ici c'est beaucoup de préfab qui sont prévus. Ici on en a plus ou moins pour 15 mois. On a un délai à tenir de 15 mois. Le but étant d'ouvrir le musée pour les grandes vacances 2015, juillet 2015. Dans le projet du Préhistomuseum, nous avons voulu faire un projet durable. C'est-à-dire que nous avons déjà nous-mêmes récupéré tout ce qui pouvait resservir dans le Préhistomuseum. Une grande partie de ces façades sont récupérées, car dans les futurs ateliers du Préhistomuseum, eh bien, nous replacerons ces châssis. Nous avons aussi récupéré les éclairages pour de futures installations du Préhistomuseum. Et le reste est trié, mis en container et va partir dans les filières de traitement des déchets. Le métal sera refondu, le béton va en décharge inerte, les isolants sont reclassés. Moi, je pensais qu'on allait voir s'effondrer le préhistocyte comme un château de cartes. Eh bien, ce n'est pas ça, c'est un travail de bénédictins qu'ils font là. Ici, on est en train de sortir les collections archéologiques de leurs réserves pour pouvoir les transporter ensuite dans un dépôt transitoire, un dépôt qui va nous servir de lieu de stockage temporaire jusqu'à la fin des travaux, au moment où on pourra intégrer les nouvelles réserves, le nouveau centre de conservation d'études et de documentation du Préhistomuseum.